Chers amis, bonjour. Émission exceptionnelle cet après-midi et sujet exceptionnel aussi. La ville d'Aix-en-Provence, avec l'ensemble de ses élus, avec notamment Madame Draouzia, responsable de la jeunesse et de la petite enfance, qui est parmi nous, mais aussi d'autres élus. Ils sont nombreux, ils sont aussi venus même d'autres villes, de Lafare, de Venelle. Nous les saluons maintenant. Et la ville d'Aix-en-Provence a décidé d'organiser, de permettre, en collaboration avec le centre social Jean-Paul Coste et la télévision participative aux deux zones, de réaliser cette émission vraiment exceptionnelle. Pourquoi ? Je vais aller vite pour vous le présenter, mais une émission qui part d'un principe un peu différent d'habitude. D'habitude, c'est plutôt la télévision qui nous fait, qui fabrique ce que nous pensons. Aujourd'hui, nous fabriquons la télévision ensemble. Émission aussi exceptionnelle parce que elle se veut participative. Vous avez déjà repéré les jeunes qui sont aux commandes et qui sont acteurs de cette émission, mais vous le serez vous-même puisqu'il vous sera demandé de participer pour une fois, sauf le respect que je dois aux intervenants qui sont à côté de moi, ils ne sont pas les seuls à être intelligents ce soir. Vous avez vu, il y a une estrade toute petite, ça veut dire que nous sommes ensemble pour apporter aux questions de la jeunesse nos idées. Nous ne pensons pas révolutionner le problème, mais au moins apporter chacun notre pierre à cette réflexion et peut-être à un changement de regard sur cette jeunesse. Donc, sujet aussi exceptionnel que celui de la jeunesse. Et pour commencer, quelle représentation avons-nous ? Les personnes qui sont autour de nous ont-elles de cette jeunesse ? Y a-t-il une jeunesse ? Est-elle très diverse ? Moi, je vous propose, pour commencer, de regarder un peu ce qu'en pensent nos concitoyens. Ben, j'ai une très bonne image de la jeunesse. Ils ont l'air de se sentir bien. Il faudrait peut-être un petit peu plus les écouter, qu'ils s'expriment, qu'ils montent des assos ensemble, qu'ils expriment leur opinion pour être un peu plus écoutés, quoi, simplement. Une représentation assez mauvaise de la jeunesse par rapport aux gens qui nous voient plus comme des troubles faites. Moi, j'en ai une bonne image. Je travaille en collège aussi. Je suis surveillant en collège. Donc, j'aime beaucoup travailler avec eux et je travaille aussi en tant qu'éducateur sportif, donc une bonne image et ça m'intéresse beaucoup d'être avec eux, de travailler avec eux. Ils sont sympas. Moi je crois qu'aujourd'hui on est en présence d'une jeunesse qui est dynamique, diverse, qui a de l'ambition et sur qui on fait poser beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes de responsabilité personnelle, beaucoup de problèmes de drogue, beaucoup de problèmes de délinquance. Bon, je crois que les parents ont oublié ce qu'ils ont été quand ils étaient jeunes et qu'aujourd'hui être jeune c'est pas forcément si facile. Donc moi je nourris beaucoup d'espoir pour la nouvelle génération. Je vois la jeunesse assez épanouie, c'est vrai, mais très excitée. J'aimerais que de temps en temps on soit un petit peu plus calme, plus serein pour pouvoir aborder l'avenir.
La jeunesse, je trouve qu'en ce moment, les jeunes sont un peu trop précoces. Ils ont tendance à aller plus vite que la musique, en fait. C'est ce que j'ai l'impression. Ils ont envie de vivre des expériences un peu trop vite par rapport à leur âge. Et je pense qu'ils doivent prendre le temps. Surtout que, voilà, maintenant, l'espérance de vie est rallongée. Ils ont encore plus le temps, donc il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Déjà, elle est sous-estimée, ça c'est sûr. Et elle est pas... On la maltraite un peu, la jeunesse. On fait pas ce qu'il faut pour les jeunes, ça c'est sûr. Non, c'est sûr que la jeunesse aujourd'hui, non, on n'y fait pas assez attention. Et c'est un peu l'avenir aussi. Et on est en train de la bâcler sérieusement, quoi. Mon avis personnel, ont peut-être pas forcément le goût des priorités, sont pas forcément beaucoup informés en fait. Je pense que le problème essentiel, c'est l'information au niveau de l'orientation, par exemple, au niveau professionnel. Et sinon, la jeunesse, voilà, c'est ça, c'est le besoin d'information, c'est aussi savoir se détendre, mais aussi savoir se cadrer pour pouvoir étudier correctement, etc. Développe la tolérance, la connaissance des cultures. Non, c'est une richesse au niveau de l'échange des idées, d'échange des activités. Ah, mais c'est forcément une richesse, oui, bien sûr. Toute diversité est une richesse. La diversité des cultures, et puis c'est une des caractéristiques de la jeunesse. C'est ce qui fait le charme, finalement, de la population. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que comme ça, on a accès à des cultures différentes et des personnalités différentes. Banal, on essaye de faire ce qu'on a avec. Hein. Elle est intéressante. Il est nécessaire que les jeunes soient tous différents pour faire avancer les choses et pour qu'ils aient plus d'idées créatives. Bravo. Bravo à... Bravo notamment à notre équipe de jeunes reporters que vous avez vus à l'œuvre. Et puis, merci à ceux qui ont été interrogés. Ah, j'aurais presque envie de vous interroger aussi tout de suite sur est-ce que vous partagez cet avis ? J'entends intéressante mais excitée. Ce n'est pas forcément le portrait que j'ai de Clara qui est à côté de moi. Bon, alors, j'avais presque envie... qu'on réfléchisse un peu ensemble. Est-ce que vous partagez un certain nombre de ces avis exprimés sur la jeunesse, sur l'image que nous en avons? Immédiatement, quelques personnes ressources, j'allais dire un peu spécialistes, mais pour le coup, les compétences, hein, je vous l'ai dit, sont aussi dans la salle. Quelques personnes ressources vont peut-être nous aider aussi à camper ce portrait de la jeunesse. J'ai autour de moi donc Monsieur Violet, qui est inspecteur de la jeunesse et des sports. Clara, donc, qui représente, j'en ai déjà parlé, qui représente le Conseil municipal des adolescents. Monsieur Moumadi, qui est de l'Union des centres sociaux départementales. Hein. Et puis, M. Laznec et Mme Lafarge, qui sont de l'Observatoire de la laïcité, ici, sur ce territoire. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette image, la révélation de cette image, et puis peut-être surtout, si elle n'est pas tout à fait comme on voudrait, essayer d'imaginer comment on pourrait... peut-être la modifier et la faire changer. J'ai trouvé assez ambivalente, hein, quand même, ces réponses. C'est une richesse, cette diversité, mais, bon. Clara, est-ce que je peux vous demander votre réaction, peut-être, à ce reportage? Vous vous retrouvez, vous, dans l'ensemble de ces affirmations? Qu'en pensez-vous? Moi, comme tout le monde l'a dit, évidemment que la diversité, c'est une richesse, mais on a l'impression qu'on ne nous dit pas tout, que les gens, ils ont peut-être pas osé dire ce qu'ils pensaient réellement, parce que si aujourd'hui on a des problèmes de racisme, c'est que pas tout le monde pense que la diversité c'est une richesse, comme on a pu le voir dans le reportage. D'accord. Alors ça, c'est pour la diversité. En ce qui concerne un peu l'image en général, que la représentation que les gens ont des jeunes, dans le reportage, peut-être pas bien regardé, mais je trouvais que c'était plutôt très positif quand même.
Est-ce que c'est... Je crois savoir que certains sondages sortis il n'y a pas si longtemps manifestent que un peu plus de la moitié des Français n'ont pas une idée si positive de la jeunesse. Qu'en pensez-vous ? Encore une fois, donc c'est vrai que les gens ils ont donné une image positive, ce qui est très bien pour nous. C'est vrai que des fois on n'est pas assez écouté, mais qu'on a de l'avenir, qu'on est motivé, qu'on est dynamique. Mais certaines personnes n'ont pas forcément cette image si positive de la jeunesse, et peut-être même que certaines personnes s'inquiètent pour nous, pour notre avenir. D'accord, très bien. Monsieur Violet, votre façon de voir, à vous, de la place où vous êtes. Merci. Alors, vous faisiez peut-être à l'instant référence à un article qui est paru dans Le Monde, je crois que c'est jeudi. Hein. Oui. Alors, je ne savais plus, c'est 51% seulement. Voilà. Okay. Mais selon les rubriques, ça va de 51% à presque 70% quant à la confiance qu'on peut avoir dans les jeunes, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs rubriques et que tous les pourcentages sont au-delà de la majorité. Alors peut-être, effectivement, c'est d'une manière générale, 51% des Français apparemment auraient une opinion pas très favorable de la jeunesse. Alors, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment très bien de faire un plateau télévision, parce qu'à mon avis, les images et les représentations qu'on a, les représentations sociales, viennent beaucoup de cette télévision, de ce média. Et ça vient peut-être surtout du fait, alors je ne parle pas de la jeunesse, je m'excuse, mais, du fait qu'on n'a pas appris à regarder la télévision. On fait des études, pendant au moins une quinzaine d'années, on apprend à lire, on apprend à étudier de l'écrit. Par contre, l'audiovisuel qui nourrit notre monde au quotidien, hein, je pense que la majeure partie des adultes et des jeunes passent plus de temps à regarder la télévision ou à écouter la radio, mais surtout à regarder la télévision, beaucoup plus de temps qu'à lire. On apprend à lire à l'école, mais on n'apprend pas encore à regarder la télévision. Alors là, construire une émission donc avec des jeunes... c'est-à-dire être acteur de télévision, ça apprend à comprendre un peu les mécanismes de la télévision et comment dire, et à prendre un certain recul quand on a des émissions qui nous présentent la jeunesse et ben, sous un aspect relativement négatif. Peut-être aussi, ça tient au fait qu'on nous présente les choses quand ça ne marche pas. On ne va pas nous montrer des cas d'élèves, de jeunes qui travaillent bien à l'école, qui ont une vie familiale relativement épanouie et tout. Alors on pointe peut-être sur les difficultés, il faut effectivement les traiter, ces difficultés. Moi, je pense que c'est dû beaucoup à ce canal télévision, l'image négative qu'on a des jeunes. Et donc, un petit peu un manque de recul par rapport à des images qui nous sont proposées. Hein. D'accord. Monsieur Moumadi, votre sentiment, vous travaillez avec des jeunes notamment, enfin, avec des animateurs, votre sentiment sur cette vision aujourd'hui de la jeunesse, vision qui a tendance à être un peu négative, semble-t-il. Est-ce que vous partagez, je ne dis pas cette opinion, vous en tant que tel, sinon je pense que vous feriez un autre travail, mais au moins comment vous ressentez cela? Et puis peut-être, c'est vrai hein, que ça peut sembler problématique qu'un pays, un peu majoritairement, ait une mauvaise image de ces jeunes qui, malgré tout, sont leur avenir. Comment vous vous situez? Qu'en pensez-vous? Non, tout à fait. D'abord, je tenais à souligner, comme l'a dit Jean-Violet, l'importance de l'organisation de ce type de rencontre, puisque ça permet de donner des espaces de parole, d'expression pour les jeunes, pour les professionnels et aussi pour l'ensemble des habitants d'un territoire. Donc mon intervention va plus particulièrement s'axer sur une porte d'entrée centre social. Si c'est votre travail, je le comprends. Tout à fait. Donc l'idée, je pense qu'il y a aussi un problème de représentation de la jeunesse. Et là où peut se situer l'ensemble des centres sociaux sur le département et aussi sur la ville d'Aix-en-Provence, c'est sur le questionnement de comment transformer cette représentation qui apparaît comme être négative en une force. Hein. Comment valoriser cette diversité? Et dans le reportage, j'entendais le mot de culture. Hein. La diversité, ça passe aussi par la culture. Et beaucoup de centres sociaux aujourd'hui prennent ce postulat, cette porte d'entrée-là, pour évoquer, pour valoriser, pour mettre en lumière ces questions de diversité de la jeunesse. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner, je pense. Voilà. Merci. Monsieur Lasnec,
votre apport à l'un ou à l'autre, hein, par rapport à ce sujet qui nous occupe, peut-être autant cette question de la vision et de l'image que nous nous faisons, hein, des jeunes, que sur celle de cette richesse de la diversité. Je trouve que dans la théorie, tout le monde est d'accord. Dans la pratique, c'est peut-être un petit peu moins facile. Ben, je crois que c'est le propre de la vie même. Oui. Il y a du positif dans tout ce qu'on a entendu. Et il y a du positif dans la vie, c'est bien évident. Mais je pense que la plus grande difficulté, me semble-t-il, qui nous attend tous, c'est de garder un petit peu raison gardée, justement. De ne pas avancer systématiquement vers le positif à tout prix, qui aurait pour conséquence peut-être de ne pas bien écouter ce qui se dit à côté de cela, et tout ce qui mérite qu'on leur apporte de l'attention pour pouvoir trouver des solutions. Parce que je pense que, à mon point de vue, à moi, c'est que si la part des jeunes qui se tournent systématiquement vers la violence, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre langage à leur porter. Parce qu'on ne leur a pas appris d'autres langages, et parce qu'ils sont persuadés que le langage qui devrait être employé pour que la majorité soit satisfaite, ce langage-là ne sera pas écouté venant d'eux, justement. Et il me semble que la spécificité même de la jeunesse doit être davantage prise en compte. Voilà ce que j'ai. Merci. Monsieur Lasnec, un mot ? Oui, réaction par rapport donc à ce qui a été présenté. Moi, je ne suis pas trop inquiet. J'ai espoir dans la jeunesse. Et puis, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, on s'aperçoit que le conflit des générations a toujours existé. Donc, cette méfiance à l'égard de la jeunesse, d'une partie de la population, me semble tout à fait naturelle. Ça a toujours existé. Je prendrai qu'un seul exemple que je connais bien, c'est celui de l'enseignement. Le niveau baisse. Voilà, les jeunes, ils ne savent plus écrire, rien du tout. Ils baissent depuis l'Antiquité. Alors, imaginez où on doit être arrivé à l'heure actuelle. Non, je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes, ils représentent l'avenir. Deuxième idée, elle concerne la diversité. Moi, je pense aussi que c'est une grande richesse pour notre pays, cette diversité culturelle. Maintenant, il y a un problème de cohabitation de toute cette diversité, et ce n'est pas toujours facile. Nous avons la chance en France, on y reviendra certainement, d'avoir trouvé un idéal qui s'appelle l'idéal laïque et qui permet à la fois de préserver l'unité, de vivre ensemble et en même temps de concilier cette unité avec la diversité. Merci. Et plutôt encourageant de nous faire prendre un petit peu de recul par rapport à l'histoire et de ne pas penser que c'est la première fois que la jeunesse se trouve un peu stigmatisé, notamment par le monde adulte. J'aurais bien envie de vous interroger, j'espère que vous bouillez d'intervenir, sur peut-être ces deux questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça veut dire cette vision qui semble se partager, un petit peu négative, mais en même temps, on sent que les gens qui ont été interrogés ont pas envie de le dire trop franchement. Donc ils disent, en fait, ils savent bien que la jeunesse, malgré tout, c'est l'avenir de notre pays et on ne peut pas trop facilement la critiquer ou la dénigrer. Et en même temps, on sent une certaine gêne. Comment pensez-vous que cette image de la jeunesse pourrait se modifier et comment peut-être cette diversité pourrait-elle mieux être prise en compte. Maxime, je te laisse le soin de donner la parole au public. C'est peut-être la première des interventions qui est toujours un petit peu difficile, mais je te propose d'œuvrer donc maintenant avec la salle. Merci. Merci Jean-Marie. Donc déjà bonjour à tous. Et avant de faire passer le micro parmi vous, je voulais juste dire un petit point par rapport à ce que vous avez tous dit. C'est très intéressant déjà, votre point de vue est très intéressant par rapport à nous les jeunes qui sont déjà une très grande majorité dans cette ville. Et donc en plus, si on fait rapport par rapport à la diversité, déjà comme vous l'avez dit,
Le racisme existe encore et ça c'est un problème, mais la culture aussi est très importante sur notre ville. Qui est-ce qui aurait envie d'une petite intervention pour donner sa parole dans le là débat où... Je vous en prie. Oui, ben, bonjour à tous. Bonjour. Et je voudrais juste dire un mot comme quoi par rapport à la représentation de la jeunesse. Certaines personnes disent que nous respectons rien, mais avant que nous respections quelque chose, le but c'est qu'on nous respecte déjà. Et voilà. Merci, merci. Hein ? Merci. Alors, y aurait-il d'autres questions ? Ou interventions ? Hein ? Allez, des mains se lèvent, fais passer. Voilà, madame. Voilà, moi je souhaite que l'on renforce le dialogue. C'est justement un des points essentiels qui n'a pas été développé au cours des dernières années. Donc le respect de part et d'autre et le dialogue, voilà. Merci. Très bien. Donc ce dialogue qui pourrait permettre justement le respect mutuel dont on parlait juste avant vous. Hein. Merci. Moi je voulais juste dire que les droits de la France c'est l'égalité, la fraternité. Donc si on respecte ça, on peut tous se respecter. C'est bien qu'il y ait des mélanges de couleurs, c'est ce qui enrichit le pays. Et les mélanges de cultures, ça permet de voir plein de choses aux gens. Et qu'il faut être ouvert d'esprit avec les gens et que c'est un petit peu ce que essaie de faire la jeunesse. Donc après, peut-être qu'on n'accepte pas trop ce qu'ils font, tout ça. Mais voilà. Vous dites qu'il faut trouver un esprit. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut s'ouvrir l'esprit par rapport aux cultures, par rapport aux gens. Savoir parler avec les gens, savoir les écouter. Ouais. C'est ça un petit peu. Ouvrons notre esprit, voilà. Ouvrons-nous. Ouvrons-nous le cœur, surtout parce que c'est un truc aussi par rapport au cœur. D'accord. Voilà. Ce qui n'est peut-être pas toujours très simple quand on a eu un peu l'impression que tout va mal, qu'il y a des difficultés et que peut-être on a un peu naturellement tendance à se refermer, à se replier sur soi. Mais vous avez là un appel à l'ouverture entre nous. Hein. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Merci beaucoup. Faites passer. Voilà. Alors, allez-y. Alors, bonjour. Bonjour. Je suis confrontée avec la jeunesse de par mes factions tous les jours. Alors, le respect de la jeunesse, oui. Le respect des uns des autres, la communication, je suis d'accord avec vous. Mais je pense, moi j'ai des très bons rapports avec des jeunes qui sont en difficulté. Mais je pense qu'ils ont quand même besoin d'un cadrage parce que ces jeunes... Ben, je peux vous dire qu'au départ, quand ils ont fait des bêtises, j'ai commencé à débarquer, à leur dire certaines choses. Et aujourd'hui, ils sont très proches de moi. Alors, je suis d'accord pour le respect, la diversité, le mélange. Mais il faut quand même... Ils ont besoin d'un cadrage, ils ont besoin surtout d'un intérêt. Voilà. Du fait qu'on s'intéresse à eux, qu'on essaye de discuter avec eux et qu'on leur explique ce qui est bon et ce qui est mauvais pour eux. Parce qu'on me parle des générations passées... moi, mon inquiétude aujourd'hui, je suis maman, sont pas les mêmes qu'avant. Avant, on manifestait, on faisait. Aujourd'hui, il y a deux points dangereux. La maladie, avec le sida, et la drogue. Parce que ce n'est plus les drogues douces ou les joints d'autre part. Aujourd'hui, il y a des drogues dures. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'inquiétude, c'est ces deux points-là. Et c'est ces deux points-là qui entraînent les jeunes à la déviance. Et les jeunes, moi, je leur dis tous les jours, il y en a dans la salle et je le répète... Aller à la drogue, c'est aller à des risques qui vous sont personnels, à des maladies, à des bêtises. Et c'est votre vie qui est en jeu. C'est pas celle des gros, des vieux, comme on nous dit, qui vous la dicte. C'est votre vie à vous qui est en jeu. Merci. Vous faites circuler le micro. Nous reviendrons sur ce point dans une seconde émission à propos de la santé. Hein. Oui. Mais je retiens... de votre intervention, cette question du cadre. Hein. Respecter, ce n'est pas laisser faire n'importe quoi, et surtout de l'intérêt. Maxime. Par contre, je vous demanderai, quand je vous passe le micro, de vous lever par rapport aux lumières pour qu'on vous ait bien dans le cadre. Je vous en prie. Merci. Allez. Monsieur. Oui, c'est dans les rapports intergénérationnels. Oui. Y a un facteur qu'on n'a pas relevé, ça a toujours existé, mais il me semble que c'est la première fois depuis très longtemps que toutes les générations sont d'accord pour penser que l'avenir de la dernière génération sera
vers un bien-être moins inférieur à celui des précédentes. Et si on ne réfléchit pas très sérieusement à la question, point de vue économique ou autre, ces conflits intergénérationnels qui ont toujours existé risquent de devenir plus graves. D'accord. Les conflits ont toujours existé, mais il y avait toujours l'idée d'un monde meilleur et que il est peut-être pas... Il va falloir prendre les moyens de le faire advenir autrement. Je vous en prie. Oui, merci. Loukman Kitter, psychologue clinicien. Oui. Je voulais juste apporter une petite observation de ce qu'on a pu visionner tout à l'heure sur le reportage, de préciser que c'est une représentation sur une image. Oui. Voilà. Et je pense que c'est assez important de dire que, à côté de la représentation sociale qu'on peut avoir, il y a aussi ce qui peut être de l'ordre d'une perception. Or, si on regarde bien les chiffres concernant la jeunesse française, c'est que c'est une jeunesse qui se porte bien, ce qui est tout à fait normal, qui est studieuse et qui va, en fait, on va dire, plutôt bien. Maintenant, pour les publics en difficulté, c'est vrai qu'il y a lieu d'aménager des espaces d'écoute. Et je pense que c'est très important. Et à ce sujet, je voudrais porter un témoignage, puisque en 1992, avec Madame Draouzia, nous avons pu être en mesure de créer un espace accueil santé jeune qui avait fonctionné pendant une dizaine d'années, qui a justement essayé, autant que faire se peut, bien entendu, avec l'ensemble du réseau de soins sur Aix-en-Provence, d'apporter cette écoute. Voilà. Très bien. Merci de ce témoignage. Merci. Et puis, même si cette écoute-là n'existe plus, il y en a bien d'autres aujourd'hui, hein, le point accueil, écoute jeune, et d'autres qui sont bien repérés aussi sur Aix-en-Provence. Une parole, monsieur, là-bas tout au fond aussi, Maxime. Madame Draouzia, je vous en prie. Moi, je sais qu'avant d'intervenir, je souhaitais saluer la présence du maire d'Aix-en-Provence, Marie Joissin, qui est à mes côtés. Donc, Marie, merci. Très bien. Bonjour, madame. De cet honneur. Et puis, moi, je voulais surtout répondre à Clara. Oui. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, la jeunesse nous fait peur. Pourquoi ? Parce qu'elle nous renvoie à nos angoisses, à nos responsabilités. Est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on vous a préparé un avenir qui est intéressant ? Il faut quand même que nous, les adultes, en fassions mea culpa. On ne vous a pas laissé une planète extraordinaire. Il y a plein de choses à rectifier. Et à travers l'élection des jeunes et de ces points écoute, c'est une façon un petit peu, pas de nous dédommager, mais de vous dire on est là. Oui, on a fauté. Oui, par moment, on n'a pas su. Donc, on vous donne la parole. Exprimez-vous, même agressivement, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça qui fait votre jeunesse, votre force. Et à travers ce que vous allez nous dire, oui, avec le respect, mais je pense que ce n'était même pas la peine de le rappeler. Non, je pense que moi, je suis... Non. Moi, depuis un an, je suis dans cette délégation. J'ai eu des jeunes qui ont parlé très fort, mais qui m'ont toujours respecté. Parce que le fait qu'ils dialoguent, c'est une forme de respect. Et ils me disent avec leurs mots, leur brutalité, tout ce qu'ils disent fonctionne. Et je leur dis oui, soyez agressifs. C'est vrai qu'il n'y a pas de logement pour les jeunes. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui touchent 900 euros, qui dorment dans leur voiture. Ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont discriminés dans les quartiers parce qu'ils s'appellent Mohamed ou Diallo. Ben, on ne leur donne pas de travail. Donc ils me le disent agressivement. Et c'est à nous, les politiques. Moi, c'est la mission, en tout cas, que m'a confiée Marie Joissin quand elle m'a donné cette délégation. Elle m'a dit, je veux que tu ailles au front, que tu écoutes, que tu ramènes des solutions, mais des solutions concertées avec les jeunes. Parce que l'avenir que nous, on veut peut-être vous donner, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça, Clara, c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure. Merci, merci de ce témoignage aussi. Merci. Et c'est vrai qu'en soi, le fait même que ce plateau puisse se tenir, eh bien, je trouve un travail pratique ou des travaux pratiques hein, de justement cet intérêt, cette écoute. Et je retiens que vous avez en tête que quand on souffre ou quand on est inquiet, peut-être qu'on ne parle pas toujours comme on devrait parler, que des fois on parle un peu plus haut. C'est aussi l'expression de cette inquiétude ou de cette souffrance. Donc, est-ce que, donc Maxime... nous allons avoir la dernière intervenante ou le dernier pour passer à la suite.
Merci Maxime de nous rappeler le timing, d'autant que si vous êtes un peu frustré par la brièveté des débats, vous savez que nous aurons tout à l'heure une troisième émission aussi qui permettra d'aborder directement l'avenir des jeunes et que vous pourrez y réintervenir. Je vous en prie. Spontanément, il y a deux axes de valorisation qu'on pourrait utiliser pour donc cette reconnaissance des jeunes. Je pense que c'est tout ce qui tourne autour de l'environnement. Je pense qu'ils ont une conscience de la planète qui est beaucoup plus aiguë que nous. Oui. Et nous, on l'a peut-être un peu gâchée. Ils ont conscience qu'il ne faut pas la laisser mourir. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. On en a un exemple aujourd'hui. Je veux dire, ils ont eu une semaine de formation. Ils sont là. Ils nous font un plateau qui est très professionnel. Voilà. Donc, c'est deux choses que, par lesquelles, je pense, on peut aller sur de la valorisation pour changer un petit peu les représentations. C'est les deux choses qui me viennent comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas synthétiser toutes ces interventions. Je crois qu'elles sont bien imprimées en vous, qu'on en reparlera dans une autre émission. Je voudrais juste vous remercier, aussi bien les intervenants qui sont autour de nous que vous-même, de cette prise de parole. Et je crois que me reste là dans la mémoire ces outils un peu de valorisation des jeunes que l'on peut utiliser, employer, avec l'idée d'arriver peut-être quand même à faire changer les pourcentages de l'image des jeunes dans la population. Et le seul moyen de la faire changer, c'est sûrement de changer nous-mêmes notre regard sur eux. Merci de votre participation. Bonsoir. Oh, my God.